Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de notre histoire, le lit d'Yvon. Bon, écoutez, essayez de vous détendre. On va commencer. Poussin, c'est le dialogue entre le vent. Et le poussin. C'est le vent qui parle d'abord. Poussin, de rien du tout. Que fais-tu dehors quand je souffle? Y restes-tu pour me braver? Le poussin. Que vous est-il arrivé pour que vous soyez si colère? Vous avez même effrayé ma mère, poule. Qui s'est caché. Le vent. Ne sais-tu pas que je cherche un lit pour me reposer? Le poussin. Et vous n'en trouvez point? Je ne vous crois pas. Je puis vous donner un lit bien chaud, mais. Ne faites plus les gros yeux et ne prenez plus votre grosse voix. D'accord? C'est le poussin qui parle ici. Où vas-tu? Dit le vent. Je vais demander à ma mère si elle peut vous abriter sous son aile. C'est le poussin qui parle. Le vent. Crois-tu donc que j'y pourrais tenir? Le poussin. Vous avez raison. Je suis bien étourdi. Mais, vous pourrez bien allongé sur la paille fraîche de notre poêle et ma mère, la grosse poule noire, se posera sur votre cœur pour vous réchauffer. Mais où coucheras-tu, toi, petit poussin? Mais où? Coucheras-tu, toi, petit poussin? Je ne vous demanderai qu'une toute petite place dans un coin de notre maison. Je ne vous demanderai qu'une toute petite place dans un coin de notre maison. Alors le vent dit, ce poussin n'a point mauvais cœur. Le poussin. Ma mère veut bien vous abriter. Permettez-moi de vous montrer le chemin. Le poulailler, c'est par ici. Ma mère veut bien vous abriter. Dit le poussin en revenant peu d'instants après. Permettez-moi de vous montrer le chemin, le poulailler, c'est par ici. La grosse poule noire attendait le vent. Dès qu'il se fut étendu sur la bonne paille du poulailler, elle s'envola et descendit sur sa poitrine. Pendant des heures, le vent dormait comme il n'avait jamais pu dormir dans le silence et la chaleur. Aussi, chaque fois qu'il se sentait trop las, revenait-il sans faire de bruit ni de dommage dans le petit vallon, où comme autrefois, les fleurs sentaient aussi bon qu'elles le peuvent. Elle entrait dans le poulailler et s'allongeait, tandis que la grosse poule noire se posait sur son cœur. D'après les contes de la
Zérosine, d'après André Baruch. Grande de la zérosième, comme ça, je crois. Bon, les mots expliqués, on a pour mon bravet, pour montrer que tu n'as pas peur de moi. C'est ça qu'on appelle bravet. Pour mon bravet, pour montrer que tu n'as pas peur de moi. Dommage, c'est-à-dire dégâts. Vous pouvez expliquer les mots difficiles comme exemple de effrayer. Vous pourrez vous allonger. Le mot allonger. Permettez-moi, le verbe permettre. Et les indices, le verbe descendre. Voilà, c'est tout pour le moment. Et je vous donne un nouveau rendez-vous pour la lecture pour tout le monde, surtout les enfants. À la prochaine.